Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, on va s'intéresser pour ce deuxième jour de KVK à ce que font nos futurs adversaires et les stratégies qui semblent déjà se dessiner. Alors durant le premier jour de KVK, comme je vous avais montré sur la vidéo d'hier, dans Crépuscule, on devait prendre un des camps croisés. Ce qu'on a fait hier, on a été les premiers du serveur à prendre notre camp croisé. Ça s'est joué à quelques secondes, hein, puisque par la suite, dans les 5 minutes qu'on suivit, la plupart des alliances du serveur avaient pris leur camp croisé. Ce qui nous a permis d'avoir les récompenses de première prise. Allez voir, tac, voilà, donc 500 gemmes. Donc hier, une journée en termes de gemmes qui était assez prolifique puisqu'on a gagné 500 gemmes avec la première prise du camp croisé. On a gagné 300 gemmes avec les premiers pas, les 30 premières alliances à avoir posé une forteresse. Enfin, 30 alliances à avoir posé une forteresse. Tout le monde a eu bien évidemment ce bonus, que vous fassiez partie des 30 premières ou pas. Donc hier, on a gagné déjà 800 gemmes juste avec ça. Sans compter qu'on va récupérer 500 gemmes quand on va valider cette quête-là, cette chronique-là, et on passera à la chronique suivante qui est le contrôle de la forteresse croisée. Je reviendrai là-dessus à la fin de la vidéo. Concernant, parce que c'est une grosse partie de cette première phase du KVK tant que les portes sont fermées. Comme je le disais hier dans la première vidéo du jour 1 des chroniques du KVK, on va appeler ça comme ça. Alors, nos adversaires directs sur notre terrain qui est ouvert des deux côtés sont d'un côté les FU, de l'autre les DOTS. Pourquoi ces deux alliances spécifiques? Car si on va regarder le classement, on voit le classement des alliances. Alors on est l'alliance la plus puissante, hein, de pas grand chose. Nous suivent le 12-04, la Liberation Army, les DOTS, les LTT, les FA et les FU. Les LTT et les FA sont pas de notre côté, les FU et les DOS le sont, et le 12-04 est de l'autre côté. On va aller les voir tout de suite d'ailleurs. De l'autre côté, on a un combat en fait entre le serveur 12-04 et le serveur 11-87. Car si on regarde toujours le classement actuel, hop là, voilà, dans roulement de tambour. L'alliance en tête est une alliance du 12-04, suivie des DOTS, suivie de nous, suivie du 11-87. Donc voilà comment se dessinent pour le moment, même si ça ne veut rien dire à ce niveau-là, puisqu'on est au tout début du KVK, le classement. Mais on voit tout de suite qu'il y a des forces en présence qui commencent à se dessiner. Au niveau des royaumes, le 11-87 est en tête, suivi du 12-04, du 11-36 et de nous. Donc le 12-04 devrait être dans le coin. Le 12-04 est en haut à droite. Il va avoir comme adversaire direct les mêmes que nous. Et au sud, il va avoir le 12-87. Donc vous le voyez là, il va avoir un gros combat qui va s'engager entre le 12-87, le 11-87 pardon, et le 12-04. Hop, de notre côté alors, on revient sur la stratégie qui est mise en place. On voit que sur ce grand terrain, on va avoir qui? On va avoir les FU, puisqu'ils se sont positionnés pour prendre la porte. Après, ils vont pouvoir tourner, je pense qu'ils vont tourner avec les L3G. Mais si on regarde les trois alliances de ce côté-là, les L3G en termes de puissance, c'est 3,5 millions. Les F8 en termes de puissance, c'est 1,2 million. Donc là, c'est une toute petite alliance. Les M, on ne va même pas les voir. Et les FU sont à 3,7 milliards. Donc on a deux alliances à une proche des 4 milliards, une un peu au-dessus des 3 milliards et l'autre qui n'existe pas, qui vont être de notre côté. Au sud, donc il va y avoir une grosse bataille qui va se dérouler ici pour le contrôle de cette partie de la zone, voire de toute la zone puisqu'il va accéder à tout. Au sud, on a leur grosse alliance qui est les DOTS à 4,2 milliards, qui ne part pas de notre côté. Vous voyez, les DOTS vont prendre la porte du sud pour aller se battre contre un autre royaume. Et ils vont avoir avec eux les 8000. Les 8000 qui est une alliance à un peu plus de 3 milliards. Donc de ce côté-là, je dirais le bloc le plus puissant, il va au sud, il ne vient pas en confrontation directe avec nous. Nous, on va avoir une alliance à 2,8 milliards en face de nous et deux autres alliances
à 1 milliard et demi. Et la dernière, les GLX, 1 milliard 8. Donc ça devrait aller de notre côté, on devrait pouvoir les tenir sur ce pôle-là, sauf si les DOTS et les 8000 viennent les renforcer, mais il sera difficile pour eux d'être sur deux fronts en même temps parce que ça demande à alterner les portes pour les DOTS. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce qu'il y paraît, quand ils ont pris leur camp croisé hier, l'ambiance a dû chauffer un peu car les RDLG ont pris le camp croisé. Alors que les GLX essayaient de le faire. Et après, les GLX ont essayé de taper le camp croisé, alors qu'il y avait l'alliance les RDLG qui l'avait pris. Donc je pense que vu que le camp maintenant était au GLX, est au GLX, il devait être destiné à eux, mais les RDLG, pour une raison que j'ignore, l'ont pris. Ça a généré de la friction puisqu'on les a vus se battre autour de ce campement hier. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre, mais en tout cas, ce qui est notable, c'est que les GLX se sont fait avoir puisqu'ils ont perdu les récompenses de première prise qui étaient toujours intéressantes puisque, comme je vous l'ai montré, les récompenses de première prise au-delà des gemmes, hein, ça donne 20 000 points d'honneur, de royaume, ça tout le monde l'aura, mais les 20 000 points d'honneur d'alliance, ça ils les auront pas. La clé en or, les 500 gemmes, les 50 accélérateurs de 5 minutes et le téléport territorial aussi, c'est tant pis pour eux. Ils n'auront pas ces bonus-là de première prise. Donc ça a dû générer quelques frictions. Intéressant à suivre et à voir nous à distance. Pour la stratégie, c'est intéressant de savoir qu'il y a de la friction comme ça. Donc de ce côté-là, on devrait bien le tenir. Ça devrait être relativement simple. Je dis bien relativement parce qu'on n'est pas à l'abri de surprise. De celui-là, à droite, un peu plus compliqué, mais ça devrait bien se passer. Un autre point, au niveau du dashboard de votre alliance. Faites bien attention car. Alors, qu'est-ce que c'est le dashboard? Le dashboard, quand vous allez dans votre alliance, c'est ça. Donc, vous voyez, nous, il en accès que chez nous. Enfin, il n'y a rien d'intéressant dessus, mais il n'est pas en accès que chez nous, je dis une bêtise. Mais on peut y accéder, hein. Vous pouvez aller voir le dashboard de toutes les alliances, vous allez dans commentaires et hop, vous voyez le dashboard et vous pouvez laisser un message ou le lire. Il y a certaines alliances, on l'a vu hier, ils l'ont enlevé depuis. Qui mettent des informations stratégiques dedans, comme la découpe de leur territoire, comme qui attaque qui va où, les alliances. Évidemment, n'oubliez pas que cette partie dashboard est accessible à tout le monde peut la voir. Donc ne mettez pas d'informations sur votre stratégie, sur la découpe du territoire, sur vos alliances là-dedans. C'est vraiment n'importe quoi, ne faites surtout pas ça. Je vous rappelle, tout le monde peut le voir. Donc voilà, c'est un petit tip que je peux vous donner parce que bizarrement, ça paraît logique, mais certains le font. La suite du KVK, comment elle s'annonce au-delà des stratégies, comment ça se dessinait. Si on regarde donc le crépuscule, comme je vous l'ai dit, il va avoir la prise de la forteresse croisée. Cette chronique se déclenchera dans 23h32 minutes, dès que la chronique précédente va être terminée. Et donc il va falloir qu'on prenne cette forteresse croisée. Pour ceux qui n'en ont jamais pris, vous le voyez, la forteresse croisée, elle a été nerfée parce qu'elle a été bien plus puissante en V1, mais il faut en général l'attaquer avec 4 raids. Donc pour l'attaquer avec 4 raids, il faut que 4 alliances soient en contact. Donc c'est pour ça qu'on a une découpe comme ça sur tous les terrains. Vous voyez, tout le monde se dit, j'ai les LSD vont monter, les KFFD sont déjà au contact, les LES et nous-mêmes, les LS sont en contact aussi. Donc on n'attend plus que les LSD et tout le monde sera en contact. Tous les royaumes en général font la même chose dès ce 4 entrées. Vous voyez ici, il va avoir 4 accès à la forteresse croisée aussi. On va plus bas, on va avoir aussi à eux. Ah non, il va en avoir 4, il va bien avoir 4 accès à la forteresse croisée aussi. Donc vous voyez bien, tous les royaumes, on va aller voir de l'autre côté carrément. Tac, allez, elle est là. Vous voyez, eux ils ont encore du chemin pour aller, mais ils laissent aussi le passage pour 4 accès à la forteresse croisée. Pareil, 4 accès, voire 5 même eux, à la forteresse croisée. En fait, pour lancer un raid dessus, il faut être en contact, hein, donc on laisse le passage pour que tout le monde soit en contact avec cette forteresse. Donc ça va être la grosse prise, la grosse attaque à faire avant l'ouverture des portes de niveau 4 et donc aller se battre sur l'open field contre les autres gouverneurs des autres royaumes. Et cette prise-là est assez stratégique. Il faut envoyer 4 raids, il faut pas faire du corps à corps, sinon ça va rendre de la vie. On a que 6 minutes, sinon la vie redevient full, etc., etc.
Je vous ferai une vidéo là-dessus sur la prise. J'en ai déjà fait une lors du premier KVK, hein, où on avait échoué à la prise. On a une vidéo d'échec et une vidéo de réussite. J'avais mis les deux, puisque nos premiers essais avaient été infructueux, avec un détail de la stratégie à utiliser. Il y en a plusieurs, hein, mais elles sont toutes très similaires, puisqu'on est dans le principe de debuff, de pas de corps à corps, parce que les zones sont très violentes, et d'envoyer 4 raids en même temps, même si avec plus vous avez de T5 et moins vous avez besoin de raids, bien évidemment, et plus vos gouverneurs sont élevés, moins vous avez besoin de raids. C'est logique. Voilà pour ce deuxième jour qui s'annonce sur notre KVK. On continue d'avancer comme ça. Aujourd'hui, il ne devrait pas avoir énormément de mouvement. Je pense que, puisqu'on n'a pas de prise de bâtiment, tout a été pris. Aujourd'hui, ce qui va surtout compter pour les gouverneurs, c'est d'avancer dans les succès croisés. Donc, à savoir continuer de construire pour accumuler des minutes pour les bonus. Et tuer des barbares, il n'y a pas d'autre chose à faire pour le moment, et faire les quêtes quotidiennes, bien évidemment, pour se renforcer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vos KVK commencent vous aussi et que vous voyez des stratégies intéressantes, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, qu'on voit un peu comment ça se dessine sur les autres serveurs. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez les vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock.